Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le SLA Heavy APC 54 de chez Miniar. Donc dans cette première partie de cette vidéo, donc ça sera des vidéos qui seront faites en plusieurs étapes. Dans cette première partie, on va voir ensemble à peu près le boulot que j'ai effectué dessus et vous montrer comment je me suis organisé pour préparer la mise en peinture et les petites modifications, faire quelques partages des modifications que j'ai fait dessus, tout simplement bah, pour vous aider, partager pour ceux qui ne connaissent pas, et petit à petit avec les autres vidéos, comme ça vous verrez toutes les étapes. Donc là, on va commencer à faire le tour un petit peu de ce magnifique kit que Minière nous propose. Donc vraiment, je me suis régalé à faire cette maquette. Par contre, pour les débutants, bon, franchement, c'est vraiment pas du tout une maquette pour les débutants. Alors, ça ne veut pas dire que les débutants ne peuvent pas acheter ce kit-là, mais clairement, c'est quand même une maquette où il va falloir avoir énormément de patience. Énormément, énormément de patience. Donc pour commencer, en gros, ce véhicule-là, c'est en gros tiré d'un T-54 de l'armée israélienne dont l'armée du Sud-Liban ont récupéré ces véhicules. Quand ils ont récupéré ces véhicules, les canons, les tours, les tourelles et tout ça étaient quand même sacrément, sacrément endommagés et abîmés. Et donc du coup, le sud du Liban, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié en fait ces tourelles et on a fait un véhicule de transport et on a mis des gros fusils mitrailleurs dessus, DM 1919 et d'autres armements. Pour pouvoir se défendre comme il pouvait avec le peu de moyens. Je vous montre rapidement les roues. Donc les roues, ils n'ont pas été collées forcément. Juste, ouais, enfin, pas collées, ils ont été collées, mais ils n'ont pas été collées ni fixées sur le véhicule tout simplement pour bah, la mise en peinture et les salissures et vieillissement salissures du châssis. Donc je tiens quand même à vous faire partager rapidement les roues. Donc rien d'extraordinaire, mais les roues sont hyper bien détaillées. Voilà, pas s'éterniser sur les roues, mais c'est important de le savoir que pour ceux qui débutent, vous amusez pas à coller les roues. Ça sera dans les prochaines vidéos, les roues, les chenilles. Comme ça vous permettra de voir comment je fais pour mettre les chenilles maillon par maillon, etc. Donc on va continuer à démonter la maquette et en même temps comme ça on voit à peu près les détails. Donc il y a énormément de photos découpes dedans. Vous voyez même les charnières des capots moteurs, des grilles d'aération et tout ça, il n'y a rien de collé. Donc cette maquette pour l'instant elle est montée à blanc. Donc vous voyez par exemple la petite grille d'aération de l'arrière du moteur. Hop, j'enlève délicatement. Et on va enlever toute la maquette comme ça, et après comme ça je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Donc faut être très délicat parce que c'est vraiment très très fin. Hein. La photo découpe, ouais, c'est des feuilles. Hein. Plus les trous, c'est d'autant plus fragile. C'est pour vous montrer aussi à quel point Minière ils ont poussé les choses, parce que même dessous, la grille d'aération. Vous allez voir, il y a les trappes, deux petites trappes. Donc tout est fonctionnel, hein, rien n'est collé. Hein. Sinon, bah, il n'y a plus trop d'intérêt. Ce serait dommage de coller. Si je peux remonter la maquette terminée comme ça, une fois tout peint, ça va être juste génial. Ça sera super. Donc pour le moment, donc voilà, en même temps, comme ça, vous voyez toute la maquette. Comme je vous disais, en fait, sur la maquette, j'ai pas mal fait de modifications. Donc, je tenais à en profiter pour vous faire partager comment je fais. Donc, notamment, tout ce qui est poignée, verrou,
poignées de trappe, etc. Je les ai refait en fil de cuivre. Parce que d'une part, je trouve que bah, en plastique, ça n'a pas tant de charme que ça. Et en plus de ça, ça reste hyper fragile, des fois à peine dégrappé que ça casse. Donc, tant qu'à faire, quitte à se casser la tête sur un gros kit, autant en profiter pour faire les choses bien. Donc, en fait, ça reste fonctionnel. Comme en vrai, les deux tringles des verrous fonctionnent. Donc, j'ai fait un petit trou sur le côté qui permet de mettre, en fait, comme vous voyez, de pouvoir faire glisser la tringle dedans pour le verrouiller. Voilà, ça c'est ce qu'il y avait en fait à l'origine. Donc j'ai refait exactement les mêmes. Il y en avait deux. Et vous avez vu comment c'est accroché sur les grappes. Faut voilà, dégrapper. Ça casse et puis même. Je trouve que franchement rien à voir. Quand on voit le résultat, ça valait le coup. Alors, pour le cuivre, donc ça c'est des bobines de cuivre que j'ai récupérées. Sinon vous pouvez tout simplement en acheter en hypermarché. Au magasin de bricolage. Donc il y a plusieurs diamètres. Celui-là c'est du très 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 fin, ça doit faire du 0,5 mm et l'autre je pense que ça doit être du 1 mm. Mais bon, au niveau des diamètres, je suis pas sûr, hein. J'ai pas pris de pied à coulisses. Donc je vais vous montrer comment je fais. Pour ça, j'utilise des pinces. Alors des pinces. J'ai plusieurs types de pinces, des pinces plates, des pinces qui sont rondes, des demi-rondes, donc c'est des très 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 vieilles pinces, et une pince plate à bec comme ça que j'affectionne énormément. Cette pince-là, honnêtement, ça fait des années, je crois que c'est une pince qui doit avoir plus de 40 ans, donc c'est des outils de précision. Et donc avec ça, voilà, hein, je fais une petite recette avec tout ça. Et avec ça, on peut faire énormément de choses. Donc, c'est des outils que j'ai, je vous dis, depuis énormément de temps. C'est voilà, c'est de l'outillage, on va dire, d'héritage ou de la récup à droite à gauche. Donc, même avec du fil de cuivre souple, pour des petits détails, parfois on arrive quand même à les redresser. Donc, pour ça, comment je fais? Je vais vous montrer donc rapidement à l'arrière. Vous voyez par exemple les petites poignées rondes. Mais je vais vous montrer après comment je fais ça. Et celles qui sont un peu plus d'équerre, donc on va dire plus ou moins à 90 degrés. Par exemple, vous voyez le poste, pour tout ce qui est poste de commande, ça c'est pareil, je les ai refait donc en cuivre. Hop, un petit zoom pour vous montrer rapidement. Voilà, ça a été refait parce qu'honnêtement, c'était en photo découpe, mais ça ressemblait à des fer-plats quoi. C'était pas du tout joli, et en plus de ça, par rapport aux photos d'origine, elles sont pas plates comme si vous teniez une feuille de papier dans la main, quoi. Limite, le mec il se fait mal aux mains. Donc là, il n'y a pas grand chose de compliqué, hein. Même les débutants peuvent faire ça sur leur kit. Donc là, ce que je commence à faire, donc je prends ma pince, une pince plate que je vais écraser déjà, et je vais essayer, vu que c'est assez souple le cuivre, avec une pression. Vu que c'est sur une bobine, c'est pratique, vous voyez, je le retends déjà. Je retends déjà pour avoir une forme à peu près droite. Parce que forcément, sur la bobine, ça prend forme. Et puis bon, je bidouille pas mal, donc forcément, ça le met un peu de travers. Donc là, je vais commencer déjà à mettre une partie plate en serrant et en tirant. Après, avec la main, vous pouvez commencer à redresser petit à petit. Donc là, c'est vraiment un exemple, hein. Là, ce que je vous montre, c'est voilà. Après, vous faites comme vous le sentez, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont des techniques différentes ou autres. Moi, personnellement, je fais comme ça. Donc, une fois que c'est à peu près redressé avec une pince coupante ou une petite pince à dégrapper, on va venir couper le fil de fer. Enfin, le fil de cuivre, pardon. Là, voilà. Donc ce que je vous disais avec les pinces, je vais vous montrer ça.
Oui, par exemple, les tringles, c'est comme ça que je les ai refaits, hein. Je les ai refaits comme ça. Et ça l'a fait parfaitement. Il n'y a eu aucun problème. Ça se manipule très bien. L'avantage du cuivre. Alors, l'avantage de cette pince, c'est qu'elle plus je vais profond, plus elle est large. Donc, selon la largeur de ma poignée, eh ben, je viens la serrer à cet endroit-là. Donc là, ce que je viens commencer à faire, je viens commencer à mettre une pression, plus ou moins à 90. Après, ce qui est pas mal, c'est d'avoir un support. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer. Là, je l'aplatis, voilà, ici. Après, un support, soit une cale en bois ou une plaque en ferraille. Hop, donc voilà. Là, en gros, on va dire que c'est à 90. Bon, c'est pas totalement à 90, mais c'est vraiment un exemple, hein. Je tiens à vous préciser. Après, c'est à vous de vous appliquer un peu plus. Et donc, tout simplement, voilà. Là, je me mets en butée. Essayez de me mettre en butée et parallèle. Voilà, donc là, je me suis mis à ce niveau-là. Après, je peux très bien mettre pour une plus petite poignée ou prendre une autre pince, hein, une autre pince à bec encore plus fine. Donc là, voilà, j'essaie de le serrer au bon moment. C'est pas évident, ça roule, hein. Voilà, donc là je suis pas trop mal. Et donc je viens tout simplement rabattre. Vu que mes côtés de ma pince est à 90 degrés. Voilà, donc là il faut bien le positionner. Donc là je viens commencer à le serrer à la main. Je me mets à peu près à l'axe. Donc si c'est pas totalement à l'axe, c'est pas grave. Après vous pouvez le modifier. Et donc je viens tout simplement l'écraser, mettre une pression avec la main. Donc c'est vraiment un exemple. Là, je l'écrase bien. Et comme vous voyez, l'épaisseur déjà de la pince. Donc là, vous allez me dire, ouais, bah ouais, c'est tordu de son truc. Mais on va le couper vachement haut. On travaille au 1/35e, c'est tout petit. Donc pour un exemple, voilà. Donc là, pour le couper, je me mets parallèle. Vous voyez, bien parallèle. Là, je vois que c'est un petit peu tordu en haut. Bah, c'est pas très grave. Regardez, je reprends ma pince. Je viens mettre une pression dessus et ça se redresse tout seul. Voilà, là, c'est parfait. On prend la pince à dégrapper ou du moins une pince coupante. Je me mets bien parallèle. Voilà, donc là, faut se mettre au plus parallèle possible. Et voilà, tac, un petit coup de pression. On coupe ça, ça se coupe comme dans du beurre. Et voilà, j'ai ma petite poignée. Donc, vraiment, rien de compliqué. Là, je tenais juste à en profiter, parce que j'avais filmé ça sur le tas, donc je me suis dit, bon, allez, ça coûte rien. Si vous voyez que ça ne vous satisfait pas, vous pouvez très bien, après, avec une pince. Deux pinces, par exemple, si vous voyez que c'est un petit peu trop écarté, ou voilà. Bref, si c'est pas assez précis pour vous, hein, voilà, vous reprenez une autre pince comme ça. Et là, vous pouvez très bien resserrer un petit peu si vous voyez que c'est pas assez parallèle, mettre une toute petite pression. Donc, c'est pas évident. Moi, vous voyez, je le cale avec un doigt plus une pince. Voilà, une petite pression, voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment je la colle. Alors, pour ça, il n'y a pas de miracle. De la super glue en gel. J'appuie un petit peu dessus. Voilà, il y a une toute petite goutte, une micro-goutte. Et là, je viens juste effleurer la goutte, prendre une petite quantité. Donc, c'est de la super glue en gel qui me permet que ça sèche pas comme la glue liquide, quoi. La glue liquide, c'est dégueulasse. Ça sèche direct en plus. Donc, celle-ci, elle est un peu plus flexible. Vous voyez, je viens juste prendre une petite quantité. Voilà, comme ça. Et donc là, c'est un exemple, hein. Vous voyez, j'ai pris une grappe. Voilà, je vais mettre ça sur une grappe au milieu. C'est vraiment un exemple, hein. Je viens la placer délicatement dessus. Et hop. Après, on peut la travailler. On a encore un petit peu de temps, donc il ne faut pas non plus traîner 3 heures. Et vous voyez, même si elle tombe, de toute façon.
elle va tenir là où il y a les points de colle de contact. Donc soit avec la pince, hop, voilà, je redresse. Et après, vous la modelez comme bon vous semble. Alors des fois, la pince, c'est un peu gros. Donc moi, ce que j'aime bien faire, soit je prends avec le doigt, on peut s'amuser à le remettre, ou alors, voilà, c'est le scalpel. Ça, c'est pratique, parce que le tranchant, il grippe en fait dessus. Vous voyez, hop, je le positionne. Une fois qu'il est en place, je peux mettre une petite pression dessus. Et voilà. Donc là, je vous ai mis ça sur une grappe, hein. Voilà, ça c'est la grappe pour les caches des roues et tout ça. Donc on verra plus tard. Donc voilà. Alors ensuite, moi ce que je fais, ce que j'ai remarqué, alors peut-être qu'il existe des produits là-dessus, je ne me suis pas trop penché sur le sujet, ou même des colles hein, pour les photos découpes, etc. C'est que la super glue, quand elle sèche, elle tâche et ça fait des trucs blancs. Et j'ai remarqué qu'avec la colle ultra fine, quand on badigeonne, donc quand je dis badigeonner, on faut pas inonder non plus le truc, mais vous voyez, je vais juste mettre une petite goutte qui va couler le long. Et en fait, ça fluide, sa fluidité, ça permet à la super glue d'être un peu plus fluide et du moins ça tâche moins. Donc j'ai un pot exprès, hein, j'utilise pas le même pot pour coller tout, j'ai plusieurs pots de la Tamiya extra fluide, et en fait bah, mine de rien, ça atténue vachement les taches et on voit presque plus rien quoi. Donc voilà pour le petit exemple. Donc revenons à notre maquette, donc là on va continuer à la démonter. Et comme ça, je vais pouvoir montrer tous les éléments qui ne sont pas collés à l'intérieur. Je ne les ai pas mis, sinon ça va tomber. Donc pour ça, le but, je me suis organisé pour avoir juste une moitié de collé et tout le reste s'enlève. Donc vous allez voir, ça s'ajuste. C'est là où je vous dis, je trouve que là, pour du mini-art, ils ont fait fort. Hein. Tout s'ajuste vraiment parfaitement bien. Donc la tourelle, voilà. Donc je fais très très attention. Et donc là, on a l'intérieur. Donc voilà la tourelle. Bah, par contre, les mitrailleurs, tout ça dessus, elles sont pas collées. Hein. C'est de la pâte à fixe. J'ai mis, vous voyez, un petit peu de pâte à fixe et je les ai rentrées dans leur trou. Donc c'était pour présenter la maquette. Et donc voilà. Donc voilà l'intérieur. On commence à voir l'intérieur. Donc j'ai pas mis les éléments, hein, comme je vous ai dit. Je vais vous montrer ça après. Donc il y a juste 2-3 éléments qui n'ont pas été collés, genre comme vous voyez, il y a un garde-boue à gauche qui manquait là-bas. C'est parce que sinon je peux plus assembler la maquette. Donc ça, quand j'aurai fini de peindre l'intérieur, après seulement je viendrai coller cet élément-là. Donc comme je vous disais, des petits détails, regardez, même les colliers de la tuyauterie d'alimentation d'essence sont en photo découpe. Il y en a vraiment partout. Il y a même des endroits, je vous dis, sur cette maquette, ça se voit même pas. Et ils ont mis de la photo découpe derrière on va dire derrière les caisses et tout ça. Il y a des équerres. Enfin bref, c'est vraiment une très très belle maquette pour ça. Donc là, maintenant, je vais vous montrer. Donc là, j'avais mis de la pâte à fixe hein, avec une cale en dessous. Donc je vais l'enlever délicatement. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer après comment j'ai fait pour pouvoir la peindre, comment ça se démonte. Donc regardez aussi tous les trains, du moins les trains, le fonctionnement des roues, tout est articulé, donc tout fonctionne. Donc voilà, alors. Là, la partie où il y a la pelle, tout ça, toute cette partie-là, ça va sauter. Il ne restera que la partie de l'autre côté et la cloison. Donc c'est là où il ne faut pas faire de dégâts quand moi je l'ai remonté une ou deux, trois fois, voir si tout s'ajuste parfaitement. Mais c'est là où on fait de la casse et il faut faire très attention de ne pas accrocher de la photo découpe. Mais bon, là je commence à avoir l'habitude à force de, on va dire, de la mettre, de la remettre. Mais après, voilà, j'étais obligé de faire comme ça de toute façon pour pouvoir bah, tout simplement pour pouvoir peindre tous les détails après, parce qu'il y aura de l'aérographe et du pinceau et forcément voilà. Donc c'est parti, je vous montre comment ça se démonte.
Avant de vous... Ah oui, je voulais aussi vous dire, vous voyez, il y a deux petites parties là que j'ai pas mis. Je viendrai coller aussi après, comme le garde-boue à l'arrière, tout simplement parce qu'il vient en recouvrement en fait sur le châssis en bas en fait. Là, vous voyez où il y a les deux petits trous. Et si vous voulez, bah, si je colle, bah, après c'est condamné. Je peux plus, si je veux peindre les pédales et tout le reste et les poignées de direction de l'engin, je pourrais pas. Donc regardez. Ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai pas collé toute la partie droite. Vous voyez, ça c'est pas collé. L'ailette de l'arrière pour la ventilation et l'aération, c'est pas collé. Vous voyez, ça bouge. Donc voilà, tout est. En fait, je me suis organisé comme ça pour vraiment avoir la maquette coupée en deux. Donc c'est parti. On essaie de la démonter. En plus, c'est pris en sandwich dans des rainures et tout ça. Donc c'est pris par devant, pris par derrière, c'est pris de partout. On va voir si ça. Normalement, si le boulot a bien été fait, ça s'enlève relativement bien. Ça devrait se déclipser. Voilà. Là, c'est déclipsé. Donc, faut faire attention parce que ça, là, si je force, on éclate tout. Hein. C'est surtout avec la main gauche qu'il faut faire gaffe. C'est là où on chope la photo découpe et tout ça. Donc, j'y vais mollo. Et à l'arrière, là, il y a un petit mouvement à faire. Une rotation pour pouvoir l'enlever. Sinon, ça part pas. Vous voyez, c'est encastré dedans et c'est vachement bien ajusté. Donc là, je suis obligé de faire un petit peu de forcing, mais léger. Et voilà. Comme ça, c'est bon à peindre. Pour la peinture et les détails. Donc là, on va commencer. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu l'intérieur. C'est l'intérieur aussi, il y a de la photo découpe et tout ça. C'est vraiment sympa. J'ai tous les petits éléments que je vais vous montrer après, un par un. Et je vais faire une mise en place, une pré-mise en place. Comme ça, vous verrez vraiment la maquette bah, entière pratiquement. Donc là, pareil. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc là, voilà, c'est cool, j'ai pas fait de dégâts. La façade avant, vous voyez même à l'intérieur de la façade avant, avec les optiques. Donc voilà. Maintenant, on va commencer à mettre les petits éléments à l'intérieur. Je vais vous montrer donc tout ce qui va à l'intérieur et que j'ai pas collé, qui sera bah, prêt à peindre. Si, je tenais aussi pour genre de maquette. Alors. J'ai dégraissé forcément les grappes, mais clairement, je vais devoir redégraisser en fait tous les éléments parce que bah, parce qu'on la retouche. Hein, c'est le genre de maquette, on la reprend, on la reprend, on la reprend. Bon, ouais, forcément, des fois on touche des choses gras. J'allais dire, on mange des curly, mais ouais, c'est un peu ça. Hein, on prend l'apéro, on revient dessus. Bon, des fois, on se lave les mains, hein, mais bon, des fois, voilà, hein, pour être sûr vraiment avant la mise en peinture, voilà, je retremperai ça en fait. Dans de l'eau avec du PEC, et puis après je referai un petit rinçage. Alors, quand je dis rincer, c'est vraiment tremper, et après je le sèche à l'aérographe. Ah, c'est pour la petite anecdote. Voilà. Donc, ça, vous voyez, j'ai remis un petit peu de pâte à fixe dessus. Ça me sert de support, mais c'est surtout aussi voilà, pour la vidéo. Comme ça, je suis un peu plus près pour vous. Parce que c'est quand même filmé de près hein, pour du 1,35. C'est plus pratique parce que je filme ça avec mon téléphone. Donc c'est mon téléphone, je me suis bidouillé un petit support que j'ai entre les mains. Donc voilà. Vu que là, pour le moment, j'ai pas trop de moyens là, d'avoir une caméra et tout ça. Et puis bon, moi je suis pas trop. Bon, de toute façon, je vais y venir parce que j'aimerais faire des lives par la suite. Enfin bref. On verra tout ça. Donc voilà. Donc ce qui va. Un des éléments qui va à l'intérieur. Donc c'est un des. On va dire aussi. Il y a des commandes dessus à côté du pilote avec le fusil mitrailleuse qui est à côté, calé à côté, un petit extincteur de secours. Ouais, photo découpe derrière aussi. Et donc on va mettre ça en place gentiment. Ça rentre relativement bien dans son logement, hein. Il n'y a aucun problème. Donc j'y vais mollo, hein, je vous dis, cette maquette-là, c'est assez fragile. Moi, hein. Bon, ça reste une maquette, hein, logique. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment, hein, je vous dis, pour vraiment faire une présentation vraiment complète de la maquette.
Et là, maintenant, on va mettre le fauteuil. L'assise aussi, super bien détaillée. Il y a aussi de la photo découpe pour régler l'assise si on veut s'allonger un petit peu. Là, j'ai encore un rangement de boîtes de munitions qui va aller au-dessus de l'autre, que je mettrai après, comme ça je vais pouvoir peindre de fond en comble si je veux peindre le dessus des autres boîtes de chargeurs. Ce sera plus pratique. Pareil pour les extincteurs, ou tout ce qui va être bouteilles de gaz, qui vont aller dans le logement au fond là. Vous voyez, il y a les supports en fait qui viennent les bloquer, mais si je mets tout après pour peindre, ça ne sera pas pratique, donc ça ira à la fin. Donc ça, c'est très fin, c'est ce qui permet de tenir pour que les bouteilles elles se cassent pas la gueule, quoi. Il y a aussi le petit banc qui vient au milieu. Donc là, il y a pareil, hein, toujours pareil, des éléments qui seront peints séparément, ils seront collés après parce que sinon pour le plancher, ça ne sera pas pratique. Donc je vais essayer de vous montrer où ça va. Ça va au milieu. Et lui, il vient se loger complètement dans le milieu, mais par contre, c'est vraiment pas pratique pour le faire tenir. Donc voilà, je vous montre rapidement. Et puis bon, ça me permet aussi, comme ça, de pouvoir peindre mon plancher et pour les jus et tout ça. En gros, ça va ici. Et pour finir sur cette vidéo, la seule chose que j'ai peinte est finie, le moteur du SLA AV APC 54. Donc le moteur du T54 en gros plus ou moins. Donc voilà, le moteur c'est vraiment le seul truc que j'ai peint séparément. Donc là voilà hein, là il y a eu pas mal de boulot aussi, donc ça je l'ai peint à l'acrylique. Donc désolé si j'ai pas pu partager ça en peinture. Bah voilà, j'avais commencé à mettre ça sur un forum avec le montage et tout ça, mais vu que je suis parti du forum, du coup maintenant je vais partager ça avec les passionnés, des vrais passionnés en vidéo. Et voilà. Donc le moteur, il y aura peut-être un tout petit peu de pigment que je rajouterai par la suite, mais ça on verra à la fin. Donc je vais vous montrer comment il rentre dans son logement aussi. Donc là j'ai eu de la chance car le moteur c'était bien pratique de le mettre sur un cure-dent pour pouvoir le peindre. Donc il y a eu pas mal de boulot aussi, hein. J'ai fait un peu la même technique. Que les figurines. Après, il y a eu pas mal de mélanges et etc. pour pouvoir, pour pouvoir peindre et donner des effets. Donc, ça va aller. Voilà. Le logement du moteur. C'est vraiment le seul truc qui a été peint pour le moment. Mais en même temps, on va dire que c'est ouais, c'est la seule pièce qui est vraiment à côté des autres. Et puis au moins, le moteur, c'est fait. Comme ça, quand je vais pouvoir peindre tout l'intérieur et les détails, ça va vraiment être trop stylé, les copains. Je vous dis franchement, cette maquette, je la kiffe. J'en ai faite, mais celle-là. Et en plus, vous voyez, ça change. Ça change parce que c'est une maquette où on voit la tourelle, voilà, où c'est à ciel ouvert, donc on voit vraiment tous les détails. Parce qu'avoir des maquettes où il y a la tourelle et c'est fermé, je trouve ça dommage. Vous voyez, ça se met parfaitement dans le logement. Ça va être super classe. Donc on voit déjà rien que ça, rien que de poser un moteur qui est bien fini comme ça. On voit la gueule que ça va avoir. Et vous avez vu, avec le fil de cuivre, hein, pareil, hein, j'ai fait du craft sur le moteur. J'ai rajouté tous les petits éléments. Attendez, je vais essayer. Tous les petits éléments qui manquaient. Hein. Alors ça, bon, bah, je me suis inspiré de vraies photos. J'ai regardé un peu à droite, à gauche, sur les moteurs qui avaient été restaurés, etc. Et donc voilà, il y a eu un petit peu de chipping aussi sur la boîte arrière du moteur. Enfin voilà, pas mal de boulot. Mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos par la suite pour vous montrer différentes techniques. Et puis allez voir aussi sur d'autres vidéos. Et il y a d'autres vidéos, il y a d'autres Français qui font des très belles vidéos. Notamment, je pense à Plastic Dream qui fait de super vidéos. Donc, lui, c'est un avionneux, mais il fait aussi des tanks et tout ça. Et il fait de super tutoriels. Il y a des vidéos qui sont bien complètes. N'hésitez pas à aller le voir et aller voir ses vidéos et tout ça. C'est super intéressant.
Voilà, ça va être à peu près tout. Donc là, on a tous les éléments sur cette maquette, en gros, avec un petit peu de dégraissage, et il y aura toujours un peu plus à faire pour améliorer tout ça petit à petit. Et bah, j'essaierai de vous faire croquer tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc forcément, c'est une vidéo qui est un petit peu longue parce que bon, bah voilà, je passe pas mon temps non plus à faire des vidéos, des vidéos, des vidéos. Donc tant qu'à faire, autant faire croquer des vidéos comme ça. Et bah, je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite de la peinture de l'intérieur de ce SLA Heavy APC 54 de chez Miniart. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao! N'hésitez pas à partager un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si je peux vous répondre, bah, je vous répondrai. Les seules personnes que je réponds pas, en fait, c'est pas que je vais pas répondre, c'est que des fois, ils me posent des questions. Soit c'est à même la vidéo, donc la vidéo, elle n'a pas été vue entièrement. Ou alors, juste en dessous, il y a la vidéo qui est dans la playlist, qui répond à leurs questions. Donc regardez bien les vidéos jusqu'au bout, partagez. Mettez un petit like si ça vous plaît et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, ciao!